Ok. Ah, c'est peut-être là, là aussi il doit y avoir des salles. Je suppose. Alors attends, je suis où? Alors attends, je suis où? Parce que là, je sais pas où je suis. Ok, alors attends. Oula, oula! C'est qui? Pourquoi je me prends des dégâts? C'est qui m'envoie des dégâts de mort là? J'ai pris 32 dégâts. Ah bien, oula. Oh, oula, 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 oula. Ok. Il y a des miroirs. On va pas toucher au miroir. On ne touche pas au miroir. Par contre, je prends beaucoup de dégâts. On va ouvrir les. On dirait que nous sommes dans la salle des professeurs. Soyez prudents. Oui, nombreux secrets, oui. Ah. Ah. Bon, déjà. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a genre vraiment pas duré longtemps. Je suis. C'était instant là actuellement. Puis alors, au coup, ça va être pareil. Voilà. Là, il y a un truc. Ça se voit dans le mur. Ah ouais, c'était. Là, on va. Au coup. Oh, merci. Il y a quelqu'un d'autre ou c'était le dernier? Waouh. Ça a été tellement rapide, j'ai rien vu venir. Il en reste un? Ça a l'air d'être bon. Quand tu veux pour revenir à la vie, mec. Yes, bien joué. Ah mais attends, oui, donc je me prends vraiment un max de dégâts. Voilà, d'accord. Donc il y a vraiment un truc qui fait que je me prends tous les dégâts du monde. Et je peux... Non mais je... C'est une blague. Je peux pas me reposer. Ah si. Oh. Ah par contre, ouais, et j'ai 4 d'énergie. Assouvissement sur moi-même. Voilà, comme ça, c'est un souci de régler. On va pas aller plus loin. Enfin, on va pas piloguer. J'ai pas très envie de mourir. 4 d'énergie quand même, c'était tendu, très tendu. Ok, donc une chambre qui ne sert à rien. Je comprends pas pourquoi je peux pas me reposer en haut alors que en bas, oui. Oula, j'essaye de faire attention, de faire pause de temps en temps quand même, histoire de pas me prendre quelque chose d'horrible sur le coin de l'œil et le coin de la tête. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oula. On a deux démons. On a deux personnes. Tu le reconnais quand les yeux de Renoc, tu te trompes. Nous n'avons jamais vu ce mortel auparavant. Je te parle de me pas de voir associé de ce, mais de sentir. C'est pourquoi je me suis servi de mes yeux. Néanmoins, nous sommes déjà rencontrés. On m'a sans me confondre. Je connais un tien entre fausse. Nous connaissons, nous avons même assisté à ça. Cerveau de rétrogradation. Intéressant ce qui se passe. Alors, je suis en train de dire en même temps ce qu'il faudrait faire. Ok, très bien. Bon, je vois ce que je vois à quoi m'attendre. Très bien, vous êtes venus jusqu'à nous. En quoi pouvons-nous vous être utiles, mortels? Que faites-vous? Nous sommes des facilitateurs de transactions. Oh! Mais c'est intéressant. J'aurais faire affaire avec vous. S'ils ont des petits trucs sympas. Coussinet. Oh, petit coussinet, déplacement silencieux, dextérité. Let's go. Et je perds combien avec mes super bottes de terre gelée qui sert à rien? Putain, c'est vrai que j'ai ça et que ça ne sert à rien. C'est chaud. La ceinture. Ceinture de créature artificielle. Ouais, franchement, pas mal. La ceinture à moi, elle fait quoi déjà? Ceinturon de force de géant de givre. Ouais, bah voilà. Hein. Et puis ça, bonsoir. Ça, c'est quoi? Gant de la longue mort. Oui, bon, ça sert à rien. En fait, c'est tout à l'heure. Bon, ça me sert plus, mais je le garde. C'est un souvenir. Ça. Grondant de soumission. Oh, bah, je vous le vends. Tenez. Ça, je te le donne.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils vendent d'intéressant en termes de sorts potions? Pas grand chose. En termes d'anneaux et d'objets magiques, pas grand chose. Et là, il n'y a que des essences. Ah, jade de contrôle des élémentaires de l'eau, pardon. D'accord, c'est pour invoquer des trous. Oui, bon. Bon, bah, parfait. Bon, bah, c'est juste pour. C'est juste pour de la vente. Très bien. Pourquoi pas, après tout. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une salle possiblement dangereuse. Oh, ça sent le... Ça sent le piège. Il y a quelque chose ici. Il n'y a rien. Ah, il y a un coffre. Il y a une malle. 100% piégée. Ah non. Masse de brèche. C'est tout? Il y a juste ça? Bon. Je prends. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas vu. Vers la tour de la directrice. Ah, un autre chemin vers la tour. Oui, je veux pas y aller pour le moment. Donc du coup, il y a deux chemins. Comment ça se fait qu'il y a deux chemins pour la tour de la directrice? C'est très bizarre. Bon, après tout, s'il y a deux chemins, c'est le même chemin. À la limite, c'est pas grave. Ici, qu'est-ce que des miroirs, un coffre, très bien. Un coffre, ok, un miroir et coffre. Il n'y a pas grand-chose ici, je m'attendais à un peu plus de... Jambes robustes de golem. Oh, je peux refaire un golem. Ah, il me faut... Ah, si, je peux refaire un golem, là, franchement. Ah, ça me... Ah, ça me chauffe, hein. Ça me chauffe. Il n'y a pas de porte ici. Non. Ah. C'est un dortoir. Bonjour monsieur, vous êtes tout seul. L'homme tente de vous parler, mais sa voix n'est qu'un murmure pénalité. Vous. Ah, ok, se pencher. Safia m'a parlé de vous, j'ai donc quelque chose dont vous aurez besoin. Elle m'a demandé de vous remettre quelque chose, elle veut à tout prix éviter qu'Aram ne s'en empare avant vous. Grâce à moi, Néphrine n'est partie rassurée, aucun apprenti n'a pu rêver plus grand honneur. Qu'allez-vous lui donner? Cette pièce est une chambre pour les corps sans âme. Les travaux de l'académie nécessitent des sujets humains et des sacrifices des sujets. Très bien. J'ai subi un tel traitement afin que mon âme soit remplacée par une âme de substitution. C'est grâce à cela que je suis encore en vie et cette âme. Et c'est cette âme que les frises désiraient cacher Raman. À quoi me servira une arme artificielle? Je ne peux pas vous en dire plus, d'un moment donné vous remettre cette âme, mais sa fille n'est pas à vos côtés et j'ignore si c'est une personne digne de confiance. Merde! Si Nefris avait vraiment peur que. Sa fille est grièvement blessée, non? Diplomatie, réussite. Ouh, la vache. Une clé qui avec d'autres permet d'ouvrir un. Hein, très bien. Araman est actuellement à la recherche de la fondatrice, elle imagine cachée derrière chaque porte. Comment faire pour obtenir cette âme et peut-être déplacer mon corps et naturellement attiré par un moment, dessinera inévitablement de rédiger. D'accord. Vous devez donc retrouver mon âme et me la rapporter pour ma propre sécurité. Néphrys n'a pas révélé dans son emplacement, mais je sais qu'elle aimait cacher les objets aux vues et aux yeux de tous. À mon avis, à dissimuler mon âme dans la chambre des âmes, il ne me reste plus qu'à identifier grâce au dispositif spécial qui se trouve sur place. Comment faire? D'accord. C'est un jeu de piste. Au centre de l'aile des salles de classe, directement en face de vous lorsque vous entrez dans l'académie. Ok. Ok. Va falloir que je fasse une side quest tout le temps. Oh, Amonjiro. Qu'est-ce que tu fais là, frère? Cet homme est bel et bien Amonjiro. Premier secours. Échec. Premier secours. Échec. Vous n'avez laissé aucune trace de blessure, de maladie, une vertu apparaît. Ah, faut que je trouve. Ah, mais il y a un Amonjiro. Il y a un Amonjiro, c'est le mec. C'est le mec. Enfin, c'est le. Oui, c'est. Oui. MDR, c'est le mec. Oui, bien sûr, c'est le mec. Très bien. Ok. Donc, il faut que je trouve une âme. Donc, il faut que je remonte. Alors, comment faire pour retrouver son âme? Ici, qu'est-ce qu'on a? Bibliothèque, coffre verrouillé, coffre piégé aussi.
Ouais, piégé, 75 de dégâts. Réceptacle d'âme. Oh! Vous avez trouvé ce réceptacle dans lequel... Et quand même, celui était le cas, ce n'est pas vous qui la rendrez. Oh! Oh! Et je vais lui demander si c'est son âme. Je vais lui demander si c'est son âme, en fait. Eh, ça se trouve, c'est son âme. Je regardais juste d'autres trucs, mais si j'arrête de parler, c'est que je suis en train de checker la soluce à côté. Et ici, on a quoi? On a. Oula! Oula! Seigneur élémentaire de la terre! Oui! Je vais sûrement crever. On va savoir encore. Par contre, les gars. Bon, je vais mourir en premier, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un détail. Voilà, sur tes coups là. Bien joué, bien joué. Trop fort. 500 d'XP, pas mal. Objet divers, petit non identifié. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un livre. Je ne sais ce que c'est. Te fous pas de moi. C'est vraiment une blague. Voici un des objets inhabituels dans le jeu. Donc j'ai fait tout ça pour un bouquin. Ouh, ça c'est cool. À mon avis, c'était une chambre pour je ne sais quoi. Sûrement invoquer des trucs. Tailler ces miroirs, je sais pas à quoi ça sert. Ce qui est problématique. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? Une araignée sabre et un morceau... Oh, des morceaux de golem, encore. Un homoncule, indemne, oulala. Oh, des morceaux de... Ok. Ok, tout va bien. Ok, tout va bien. Miroir, oh, il y a aussi des miroirs. Morceau de golem. Oh, torse de golem galvanisé. Il me manque une tête là. Attends. On est d'accord que là je peux refaire un golem. J'ai des bras. Attends. Hop, rangé. Voilà, j'ai des bras. J'ai des jambes. J'ai un torse. Il me manque une tête. Ah, il me manque rien. Il manque rien là. J'ai tellement envie de refaire un combat de golem et de péter mon golem. Ok, bon. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller récupérer l'âme de l'autre. Donc on va sortir de cet endroit et on va se déplacer juste là. Oui, alors les combats de golem, c'est bon, j'ai donné. Alors, je vais quand même gagner du temps pour tout le monde. Il me faut son âme, à savoir la 346, ce qui devrait être ici. Ah, 91, c'est pas celle-là. Mais elle est où son... Je l'ai vu en plus. Ah, ça va être compliqué de choper la bonne âme. Réceptacle. 223, non. Voilà. 127, non. Bah, attends, quoi? Il y en a que 3? Ah non, le jeu, mais la solution, elle m'a dit qu'il y en a 5. Ah, mais il y en a... Oui, d'accord, il y en a une là. 346, alors. Ok,
Ok, je vais prendre celle-ci. Je vais lui dire, je vais quand même prévenir le gardien que j'ai trouvé un réceptacle. Est-ce que je peux lui dire? Comment fonctionne? Je voudrais vous emprunter. Je voudrais vous emprunter une âme. Voilà, j'ai demandé. Vous avez emprunté une âme. Oui, c'est bien ça. D'accord. Bon bah j'emprunte une âme et j'en ai emprunté une. Ok. Hop, là j'ai emprunté une âme. Très bien. On est d'accord là-dessus. Parfait. Donc on descend. On descend. J'ai l'impression d'avoir raté des trucs. C'est très bizarre. Quartier des instructeurs, vous voyez, je m'attendais à trouver un poil plus de difficultés et au final. Pas grand chose. Alors. Normalement, c'est la bonne âme. Je crois que j'ai trouvé. Oui, elle est au proche de l'ascenseur, je peux presque la boire. C'est bien ça! Pendant tout ce temps, j'aurais jamais pensé que ce serait aussi difficile. Gain d'influence! Ah, au coup plus 11! Ah ouais! L'âme de substitution a pris la place de la mienne, ainsi que l'avait prévu Nefris. En dépit de son caractère énigmatique, Nefris est une femme dont la sagesse était remarquable. Merci. J'ai l'impression. Merci. J'espère que vous dites vrai. J'ai fait tout mon possible pour respecter la volonté de Nefris. J'ai oublié. Portez cette autorisation au gardien de la chambre des âmes. Ça vous évitera d'encourir sa colère. Ah ouais! Vous devriez reprendre votre quête au plus vite quant à cet endroit sans tarder. Si vous avez malheur, tous nos efforts n'auront été vains. Peut-être c'est déjà le cas. Mais non. Voilà, billet à ordre. Oh, je lui ai donné. Et lui, je peux toujours rien faire. Peut-être qu'il faut que je lui donne une âme. Est-ce que. Attendez, je vérifie. Ok, bon, a priori, je pense que j'ai tout. Il y a un tout petit truc, par contre. Ouais, non, ok. Donc là, je suis... là, je ne peux rien faire de plus. Ok, donc c'est bien ça. Et ben, on va aller à la tour. En fait, j'ai pas le choix. Faut aller à la tour. Je vais déjà donner le papier pour le golem afin d'éviter des soucis, comme il a dit le mec. Et puis voilà. C'est bien, on se rapproche de la fin, on se rapproche tout doucement. Et ça, j'aime bien. Bon, il me manque une tête, je peux pas aller refaire le combat. Tant pis. Alors, golem. Même tombé hors vous. L'un des instructeurs m'a remis une note m'autorisant à emprunter d'autres âmes. Vous avez droit à un emprunt supplémentaire. Ah, intéressant. Alors, comment. Qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Ok, a priori pour Ramon Giro, il faudrait la 134. La 184. Encore faut-il trouver la 184. Qui devrait être, du coup, peut-être. Non, pas ici. Faut que je la trouve, hein. ça va être drôle. Ça, c'est là où j'ai pris l'autre. La 91. Elle n'est pas cachée quelque part?
Ah, il était caché devant. Je vais au moins donner la 184. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tac. Paf, je prends ça. Et puis, je reviens voir mon pote à Manjiro. Si à Manjiro, je peux le choper pour le jeu, enfin, pour la fin du jeu, et qu'il peut m'aider de manière gratos sans prendre la place d'un de mes compagnons, 5 contre un boss, ça serait pas mal, je vous avoue. Et puis en plus, s'il est calculé sur mon niveau, il va up à une vitesse. Ça va être impressionnant. Oui, et après on ira juste là. Attends, j'aimerais bien savoir pourquoi il est. Pourquoi lui il est long. Bon, toi t'as aidé. Toi. C'est bien de voir Manjiro à partir de ce moment-là. Ah, je peux. Ah, attends, est-ce que je peux utiliser ça sur. J'ai pas le droit. Ah merde. Alors attends, il y a un truc que je comprends pas. Ah d'accord, j'ai compris, oui, pardon. Il faut que j'aille revoir en fait les diantres fausses. Ah j'avais... Ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Moi je vais aller jusqu'au bout du truc. Et peut-être que après je peux faire quelque chose. C'est ça, l'âme de mes amis. Savez-vous comment je pourrais la récupérer? Cela aurait-il un rapport avec l'instantané? Oui, bien sûr. Alors, vous avez de la chance car nous a justement été confié par celle-là même. Oh bah dis donc, pourquoi quelqu'un vous confie une arme? Quel désirez-vous? Sommier, pardon, bien heureusement pour vous, ça suffit. Ah oui, d'accord, les contrats que je passe avec les habitants, d'accord. 50 000 pièces d'or. Ça va, c'est pas énorme. Abrite, établissement semble accorde une grande importance aux âmes susceptibles et malades. Apportez-moi les âmes de 3 étudiants. 3 âmes jeunes et tendres, faciles à briser, tel est mon prix. Alors. Estimation. Échec, non. Alors, toi. Non, toi, c'est toi qu'il faut que je parle. Alors, comment. Comment je peux te choper 3 âmes? C'est ça la question en fait. Alors, j'essaye de comprendre. Comment je peux choper des âmes? Moi, je veux vraiment Manjiro. Donc, j'ai 3 âmes et 50 000. Bon, 50 000, c'est même pas un souci. A priori, je peux choper une âme ici. Mais alors, comment veux-tu? Je suis bien au bon endroit. Ah, c'est peut-être ça qui me parle. Ah, c'est ça qui me parle, peut-être. Ok, donc là, j'ai déjà récupéré. De ce que je pense. Et là. Bah non, mais il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ah, j'ai pas visité cette bibliothèque.
Il y a un... Non, il y a un truc que je comprends. Il y a un truc que j'ai pas. Comment ça se fait? À mon avis, il y a un truc que j'ai pas compris. Oui, bah tant pis, hein, à Manjiro, hein, c'est une quête qui va attendre. Ou une quête qui se rajuste pas. Parce que je comprends pas, je suis un peu bête dans ma vie. Allez, on monte à la tour. Alors, la tour de la directrice. Voyons voir qu'est-ce qui. Ok. On va sauvegarder quand même, on n'est pas fou. On n'est pas fou. Alors, ah déjà, y a, déjà, ça c'est. Alors, déjà, ça c'est cramé. Ça c'est cramé qu'il y a un truc. Oula, oula, oh, un journal. Et ça mène. C'est Ah. moi, accroché au mur. Je les ai déjà vus quelque part. Ok. Ah, salle des coups. Ah, donc les deux escaliers mènent au même endroit. Très bien. Journal. Cet épais volume semble avoir été délaissé lors du pillage de la tour de Defris suite à la prise de pouvoir d'Araman. Allez au chapitre reproduction. On couvre des dizaines d'équations. Ouais, savoir, bah tant pis. Allez au chapitre division. Synthèse. Deux pièces séparées par des barreaux et reliées par une seule porte. Ah bah voilà. Oui, bon ça je. Non, mon savoir il est. Oh! Prendre la clé. Oh! Oh merde! je suis allé trop vite et du coup j'ai trouvé une clé. Une clé de Néfris. Cette clé cachée dans le journal de recherche de Néfris. Ok. J'ai une clé. Est-ce que la clé va me servir à quelque chose? Je pense que oui. Est-ce que c'est ça? Clé de Néfris. Non, on a utilisé la clé. Idiot. Ah non, c'est pas la clé. C'est pas ici qu'on met la clé. Il l'aurait mis automatiquement. Ah. À en juger par les marques d'explosion qui l'entourent, cette porte a suivi une tempête de sort destructrice. Si restant, c'est aussi solide. La porte est gravée de 4 cavités hémisphériques. Vous pouvez l'inscription 4 âmes incomplètes, 4 âmes égarées, 4 âmes imparfaites au destin contrarié. 4 âmes dissimulées en un endroit secret doivent pour progresser être ici rassemblées. Limité et damné, rêvé, fragmenté, 4 âmes réunies. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors. Placer l'âme fragmentée. Placer l'âme de substitution. Et c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire, malheureusement. Voyons voir. Sur la porte se trouve, pour voir cette porte, il faut évidence les 4 âmes. Ok. Se trouve 4 hémisphères, visiblement. Ok, donc ça, c'est. J'en ai donc 2 sur 4, de ce que j'ai compris. Il y a une cheminée là. Morceau de papier brûlé. Les trois morceaux de papier brûlés dans la cheminée, même la majorité du message est plutôt bref, semble-t-il, vous pouvez lire fermer la porte. Fermer la porte. Fermer la porte. Oui, alors attends. Alors attends. Ça va peut-être m'aider. Donc la clé va m'aider pour peut-être d'autres choses, pour voir des trucs. Ah, il y a une porte, j'ai pas vu. Quel idiot. Ah ouais, d'accord. Bah je bah oui. Ok. Ok, il y avait une porte. Table.
Potion de guérison suprême. Oui, tout le temps, tous les jours. Là, il y a une étagère. Voilà. Aide de groupe, pas mal. Et celui-là, accès de courroux glacial, d'accord. Il y a juste ça. Il n'y a pas juste ça, quand même. Dis donc. Ok, donc en fait, moi je suis pas fou, mais il y a un moment, il faut pas se foutre de moi. Voilà, là, il y a des portes cachées. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Vous avez utilisé une clé. Oh, attends, j'ai utilisé une clé de manière. Ah non, j'ai utilisé une. Ça veut dire qu'il y a plein de portes. Oh là là, ça veut dire qu'il y a plein de portes cachées. Il va falloir que je casse des trucs et des machins. What? Attends. Attends, quoi? Et là, il y a une porte. Oh là là, il y a l'air d'avoir un truc horrible. Genre un chemin de mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a un truc là bizarre? Déjà là, ça commence mal. Ok, donc on va partir du principe que ça, c'est un jeu de miroir. Ok, c'est un jeu de miroir. C'est très clairement un jeu de miroir. Ok. Alors, question est, ça se reflète ou pas? Ok, ça c'est bon. Ok. Admettons, ça se reflète là. Je vais donc par là. Là, il y a un miroir. Je vais... Ok, là. J'avance tout droit et il y a un miroir. Il faut que je mette le miroir là-bas en ouvrant la porte, du coup. Je suppose... Oui, j'ai oublié ça, moi. Du coup, faut que je ferme la porte là. Oh, ça va être... Oh là là, je le sens, ça va être un truc comme ça. Ok, ensuite je vais là-bas. Et à partir de là, miroir pour aller de l'autre côté au fond. Très bien. À partir de là... Oula, pourquoi il y a des miroirs ici? Bah, je vais au fond. Et il y a un... Alors, il y a un cristal. Alors, ça, je l'ai compris. Il y a un cristal. Mais ça a pas l'air d'être ça. Ah, il y a un autre miroir. Je crois qu'il y a des miroirs là-bas. Donc, si je me mets là. Très précisément, ici. Il y a deux miroirs. Faut pas que je me plante. Oui, mais dans tous les cas, ça fait ça. Et donc, du coup, bon, y a toujours des araignées là qui vivent leur meilleure vie. Ça me fait un peu peur. Et à partir de là, il y a une porte. Pourquoi il y a une porte que j'ai pas ouverte? Ah, parce que la porte était fermée. Et du coup, il faut continuer ici. Et à partir de là... Ah, il y en a un deuxième. Ok. Et là... Oula. Ces miroirs sont pour le moins surprenants. Ils exercent une puissante force d'attraction. Comme des aimants. Il y a un obélisque. Oula, attends, avant de faire une bêtise. Obélisque, il y a une orbe. L'orbe semble agir à votre présence. Utilisez détection de déterminer la fonction de l'orbe. Échec. Art de la magie. Échec. Il y a bien un moment où... Non, je suis trop mauvais. Très bien. Non, rien fait. On va pas toucher l'orbe.
Genre, on va rien faire. Mais, oui, bon, qu'il y a bien un truc comme ça. Ok, tac, tac, tac. Ok, alors attends. Si je sais pas sa fonction, je vais quand même la toucher. Oh waouh, oh waouh, oh waouh, oh waouh, oh waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait et ça me fait un peu peur. Je sais plus du tout où aller. Ouais, faut que je revienne de l'autre côté, peut-être. Je pense que je dois revenir de l'autre côté, ouais. Ça a fait quelque chose? Ça a fait quelque chose? Attends, quoi? Attendez, j'ai oublié quelque chose peut-être. Oh, d'accord. Ok. Je vais prendre Gan. Ouais, Gan. Ok, d'accord. Alors, Gan. Tenir. Un moment. Attendons. Je peux le faire. Il faut que je me tienne d'un côté. Et il se passe un truc avec le jeu de miroir. Et il se passe des choses. Ça paraît ultra compliqué quand même cette histoire. Alors, si je me mets là, donc ici, que je touche. Ok. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah, ça veut dire que c'était pas lui qu'il fallait que j'envoie. Oh la vache. Oh là, d'accord. Suivez-moi. Oh la vache, quelle horreur. Ok. Tenir. C'était moi qui devait faire ça. C'était sûr et certain. À chaque fois. Mais genre vraiment à chaque fois, il y a un piège comme ça. Ça me détruit, ça m'énerve. Genre vraiment ça m'énerve. C'était sûr en plus qu'il y avait une saleté comme ça, que c'est toujours le personnage principal. Alors que la solution c'est de me dire oui ça dépend n'importe ça dépend qui en fait. It doesn't matter which character vous utilisez pour ça. Ouais. Allez, donc on la refait, je touche. Utilisation sert à rien, art sert à rien. Toucher. Et ça fait. Et ça fait que dalle. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Attendez.
Il y a un truc que je comprends pas, putain. Oh la vache, ok. Oh waouh. Oh là là, ok. Oh pardon, excusez-moi, j'ai mis tellement de temps à comprendre cette énigme, c'est chaud. En gros, pour faire simple, il fallait prendre l'orbe, se mettre sur le réceptacle ici, et ça va projeter l'image qui est là. Et ensuite lui parler et du coup on obtient la troisième âme. Ok, ça c'est... Et c'était... C'est compliqué. Du coup ça me fait une troisième âme. Il m'en manque toujours une. Et là par contre je ne sais pas du tout où elle est. Ok, bon bah ça alors ça tombe bien. Pour la dernière âme, c'est aussi dans cette pièce. C'est compliqué. Ça devient un peu compliqué. Je pense que je vais devoir cutter pas mal de petites choses jusque là pour éviter que ce soit trop long et qu'il y ait des moments de blanc un peu longuets. Mais c'est exactement la même chose que pour Amanjiro. Faut aller voir. Pardon. Il faut aller voir les deux. Les dieux là. Les deux là. Allez, allez, allez. Je suis à la recherche d'âme au défaut unique. Ah. Alors, ta. Donnez-la moi, mon cher. J'ai l'impression que c'est mortel. T'en as encore négocié. Alors. Je voudrais l'âme d'une personne ayant vécu dans la misère la plus noire, ayant connu la fin la plus froide et ayant tout sacrifié au nom de l'amour et de son prochain. Oh. Sans celle d'une personne élevée dans l'opulence. Ah, une âme à chacun de vous. Une seule âme. Oh, d'accord. Très bien. Ok, et donc il faut que j'aille au-dessus.
Il faut que je remonte les escaliers et il faut que je trouve du coup l'âme. Ça veut dire que je pourrai plus jamais en prendre à Jean-Mi l'âme. Il va falloir que je lui rende d'ailleurs. Ah oui, il va falloir que je lui rende. Oh, il va falloir que je lui rende. Alors, il va falloir que je redépose, ouais. C'est quelle âme que j'ai emprunté d'ailleurs, moi? Réceptacle numéro. Ouais, c'est ça. Non, pas ici. Ok, d'accord. Alors, elle est un peu technique celle-là. Donc, il faut que. Alors, déjà, je vais reposer celle-là. Si je peux la reposer, je peux lui rendre. Je voudrais vous rendre une âme. Pour rapporter une âme. L'âme dans cette pièce. Ok. Bon, bah, je vais la. D'accord. Tiens. Récipient d'observation. Et je vais mettre une lame dedans. Voilà. Orbe d'observation. Vas-y, si je mets ça ici. Levier. Le réceptacle s'est mis le projet d'info et ininterrompu d'image. Oh, vous entendez également des voix, des murmures et des échos. Oh, d'accord. Ok. Et j'ai rappuyé. Donc tu peux voir l'âme ici. Alors. Tac. Je vais mettre du coup la 184 ici. Comme ça, je l'ai rendue. Alors, il me faut la 127 et la 191. La 91 tout court. Mais du coup, ça me fait deux âmes. Et c'est là où il y en a un qui va pas être content. Il va pas être content du tout. Ah, bah. Elle est où la 91? Elle est là? 91. Là, j'ai deux âmes. Si je sors de cette pièce, je vais me faire défoncer. Sûr et certain. Donc, il faut que je passe très très attention. Ah, voilà. Ah oui, alors voilà. Ah, mais attends. 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 Parce que là, j'ai emprunté deux âmes. Est-ce que... Ah non, d'accord, ok. On est sur une énigme point and click actuellement, je vous le dis, c'est pas facile. Alors attends. Tac, je pose une âme ici. Voilà. Pardon. Ah, je pose une âme ici. Voilà. Et là maintenant je peux sortir. Parfait. Il faut que j'aille voir en fait déjà Jean-Mi là-bas. Là on est sur un truc point and click, ça ne me plaît pas trop. À chaque fois, je suis bloqué. Alors, je viens de découvrir que sur quoi tu avais une effrise avant de mourir. Ah, ouais, parfait. Ok, tac. Bon, pas tout à fait. J'ai l'autre question. J'ai besoin d'une âme dotée de traits conflictuels. Pouvez-vous en fabriquer une? Oui, je ne sais pas, ça dépend de vous. Que vous voulez dire? Ah, d'accord. Ok. La feuille des grands, parfois, il faut savoir accepter la réalité telle qu'elle est. Perte d'influence, Megan, tu m'emmerdes! Pourriez-vous au moins me fusionner deux âmes? Oui, mais avec quelques réserves, la fusion sera certainement que vous obtenez. Si je vous apporte. Oui, mais non. Oui, une autorisation de plus. Non, mais je sais ce que je fais, TKT, mec! Oh là là, Egan, il commence à m'énerver.
Oui, votre ouverture d'esprit. Excusez-moi, mes frères, on est en train de sauver le monde depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux pas faire un effort? Non, t'as pas envie, t'as décidé d'être chiant comme la pluie, c'était super. J'ai ici une note permettant de emprunter deux âmes. Cette note est authentique, vous pouvez me retirer deux âmes. Parfait. Hop, je prends donc l'âme que j'ai déposée quelque part et qui est sûrement repartie. Elle est où? Elle est là. 91, parfait. Hop là, j'ai l'âme 91. Et normalement, la 91 et la 127, si je suis ce qui est marqué, c'est la bonne. On va y arriver au bout d'un moment. Je vous jure, on va y arriver. Normalement, c'est la dernière chose à faire et puis c'est terminé. Si c'est pas ça, bah tant pis. Puis à Manjiro, hein, on oublie. Il marche pas. Alors, vous avez l'air différent des autres. Pouvez-vous fusionner deux âmes? Oui. Placez-les dans la forge, je m'occupe du reste. Alors, forge. Du coup, on est d'accord que c'est la 91 et que c'est la 127. Voilà. Je crois que nous avons réussi les deux âmes en opposition totale. Le résultat est particulièrement instable. J'ai l'impression que vous devez cette âme à quelqu'un. Oui. Grâce à elle, vous pouvez emprunter d'autres âmes. Bon, je vais quand même lui donner. Ensuite, je redescends pour reprendre l'échange et ensuite je remonte. On y arrive. C'est long et fastidieux, là. Mais on y arrive. Alors, toi, putain, j'ai donc utilisé toutes les âmes là. Deux de vos emprunts sont à présent pardonnés. Donc là, je peux prendre les deux dernières et on s'en fiche. Mais c'est pas le but. Ensuite, allez, on va là-bas. Je me soignerai dans la tour quand même. Faut pas non plus déconner. Quoique, si je passe. Alors, je pense que je dois peut-être avoir un peu plus. Un peu moins de temps. Hop, je monte là, je passe par l'autre escalier. Hop. Tac, tac, et tac, voilà. Et en plus, je suis beaucoup plus près elle maintenant. Je suis presque en face. Ça, allez, je vous avoue que là, ça me tend. Il y a un truc qui me tend là de devoir faire aller-retour. J'ai apporté l'âme. Oui, bien sûr, et comme nouvelle, n'arrive jamais seul, nous avons gagné un séjour illimité sur vos plans célestes. Incroyable. Je te rappelle, cher collègue, à Cervelle, qu'une telle âme ne peut théoriquement exister. Et bah pourtant, elle existe. Vous avez votre âme. Votre méprisée en posture ne vous fait pas honte. Prenez l'âme, ou vous êtes venu chercher, mais sachez-le, vous n'êtes pas débarrassé de nous, pour autant, nous aurons le dernier mot. Très bien, mais j'ai mes 4 âmes, je m'en fous, et j'ai gagné 2000 XP. Allez, on a tout ce qu'il nous faut. On a donc du coup nos deux dernières âmes. On va les mettre. Et c'est parti. Et j'espère, nom de Dieu, que ça va bien se passer. Franchement, j'espère que ça va bien se passer. Bon, je vais juste, hop, me foutre ici. Ah, vous devez rassembler votre groupe. Oui, pardon. Hop, on se met là. On se pose. Impec. Et on va ouvrir la porte. Ah, il me fait le crochetage tout le temps. Hop, oui, je vais mettre les âmes. Alors, placez la main complète. Placez la maudite. Vous placez la quatrième. Oh, un mécanisme déclenche la serrure. Soudain, les runes gravées sur la porte se mettent à briller d'une lueur rouge. La porte se referme, quelque chose ne va pas. La porte est enfin ouverte, Rahman. Nous avons fait tout ce que vous nous aviez demandé. Dépêchons-nous. Si vous faites traîner les choses, je... Silence. Attendez. Était-ce un rêve ou un souvenir? Que reste-t-il de toi, mon frère, dans cette coquille vide?
Reconnais-tu mon visage? Le visage de ce frère qui autrefois te suivait partout. Mon sourire s'est évaporé, et tu portes aujourd'hui un masque, mais je suis sûr qu'un fragment de toi vit encore. Vous n'êtes qu'un masque porté par mon frère. Je sens sa présence en vous. Araman, reprenez-vous, voyons. Sans vouloir vous offenser, je ne vois aucune raison de... Va-t'en, mon frère. Retourne vers la Rachémini, vers ta terre natale. Quitte cet endroit en paix, et il ne te sera fait aucun mal. Derrière cette porte se trouve la vérité, mais aussi la folie. Une folie aux conséquences désastreuses. Une folie qui rendra vaines toutes les souffrances endurées jusqu'ici. Dans ce cas, je ne peux plus rien faire, ni pour vous, ni pour mon frère. Mon combat est ailleurs. Il est fou, plus fou encore que la vieille Néphris. Finissons-en rapidement avant qu'il ne change d'avis. J'ai honte de moi et de ce que j'ai fait. Et ma position est devenue pour le moins délicate. À présent, je dois quitter cet endroit. Geb, je vous conseille de faire de même. Laissez-les partir en paix. Non, pas question de les laisser partir. Ils connaissent nos secrets, ils pourraient décider de les revendre à Zastam ou à n'importe qui d'autre. Fuyez, Jaffi, si vous avez peur. Nous, nous combattrons pour le bien de l'Académie. Ah oui, alors la bagarre. Alors, ils sont... 1, 2, 3, 4... Ah, vache, ils sont pas mal. On va essayer de prendre Gab, lui, en premier. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, alors attendez, Gan a gagné un niveau. On va le faire maintenant, pendant la bagarre. Charisme surhumain, c'est vraiment le moment, Gan. Allez, si tu le dis, voilà. Je vais contrôler Oku, et Oku, il va prendre lui. Enfin, elle, plutôt. Voilà, oh bah, oui. Parfait. Oku, c'est le tank. Ah, succession d'enchaînement. Oku, c'est quand tu veux. Oku, non. D'accord, il a juste pas. Pourquoi il veut pas attaquer? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Des fois, il veut pas attaquer de personne. Ah, je me suis pris plein de malus sur mon perso là. Ah, je me suis pris un niveau absorbé. Yes. Toi. Voilà, et qui c'est qui reste? Elle. Ah. Allez, il reste elle. Quand... Pourquoi tu peux pas? Pourquoi Oku il peut pas? Pourquoi D'accord, bon, ok, et eh bah ben, parfait, et en plus, alors Oku a gagné un niveau, non. C'est Kayla qui a gagné un niveau. Ah, il a gagné un niveau automatiquement, ok. Et elle aussi, du coup. Hop, parfait, plus 16, et bah du coup, c'était une embuscade. Ah, c'était une embuscade ici. Ah, ok. Non, c'est moi, c'est mon personnage. Bon, je me re-soigne du coup. Bon bah si ça c'était la grosse bagarre, je pense qu'il y a encore une autre grosse bagarre qui va pas être très très loin. Ok, parfait. Du coup la porte elle mène à un portail. On va se soigner encore une fois. Ouais, je vais me faire un répression. Histoire de juste regagner ce qu'il faut. Et maintenant... La sauvegarde, la potentielle dernière de cet acte, et puis on y va, on avance.